Au cœur de la ville, au cœur de l'histoire, le Musée des Beaux-Arts de Lyon. C'est la collection maîtresse du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Le département des peintures plonge le visiteur dans l'univers passionnant des plus grands artistes européens à travers un parcours très complet. Au Musée des Beaux-Arts de Lyon, la collection de peintures domine très largement. Elle compte parmi les collections les plus importantes en Europe. Elle est située au deuxième étage du musée. Nous avons la chance de pouvoir présenter près de 1800 œuvres qui invitent à un véritable voyage à travers la peinture du 15e siècle jusqu'à nos jours, même si les 19e et les 20e siècles dominent très largement. Toutes les écoles sont représentées, avec des ensembles très conséquents pour la France, pour l'Italie, pour la Flandre, pour la Hollande. L'Allemagne et l'Espagne sont également évoquées, avec peu de pièces, mais elles sont exceptionnelles. Au fil des salles majestueuses du musée, au fil des époques, les chefs-d'œuvre se succèdent, les techniques, les styles, les thèmes évoluent. Naturellement, le musée présente aussi les plus beaux tableaux des nombreux peintres lyonnais. Il est très important de souligner que cette collection n'est pas figée, qu'elle s'enrichit très régulièrement par des acquisitions qui se font grâce à des donations, grâce à des achats. Et c'est vrai que j'aimerais rappeler par exemple l'extraordinaire aventure de l'acquisition du tableau de Nicolas Poussin, La fuite en Égypte, qui a été très largement partagé par 17 mécènes, par la ville de Lyon et la région Rhône-Alpes, et qui nous a permis vraiment de faire entrer dans les collections un tableau tout à fait exceptionnel.